Philippe Manœuvre, première. Clap. On est dans l'époque des voix vocodées, tout le monde vocode. Moi, je croyais que c'était fini depuis 1997 quand Junkie XL avait remballé, mais tout le monde vocode. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle façon de faire des choses. Mais malheureusement, tout le monde a le même son de voix, quoi. C'est ça qui est un peu décevant. C'est pas flatteur, quoi. Le clip est pas flatteur. Il y a peut-être quelqu'un qui se cache derrière d'intéressant. C'est bien parce que c'est pas, ça essaye pas de séduire en arrivant, donc c'est assez intéressant. J'ai fait une tournée avec L7. Je me souviens, j'étais convoqué chez Thierry Ardisson. Il y avait Mishka Assayas qui était là. Il se moquait de moi en disant « Ah, vous êtes toujours fan des Stones, fan du rock. » Et moi, je disais « Bon, bah dépêchez-vous, parce que moi, j'ai un train, je pars rejoindre les L7. Elles font un concert à Lyon ce soir. Il y a 800 personnes. » Et au fait, ces 800 personnes, on leur dit quoi? C'est des cons terminaux parce qu'ils ne savent pas que le rock s'est terminé? Non mais expliquez-moi. Je me souviendrai toujours de ce concert au Transborder à Lyon parce qu'elles étaient, c'était comme un peu des tigresses. Elles allaient exciter les garçons au premier rang et à un moment, les garçons au premier rang, ils ont tiré la guitariste dans la salle. Il a fallu que j'aille avec deux rodires chercher la fille parce qu'ils ne voulaient plus la lâcher. L7, c'était le groupe de pure meuf. Des filles tatouées, avec les cheveux bleus, la toison pubienne bleue aussi, pour une, pour la batteuse, je crois. Et puis, je vous avais montré ça, c'était étonnant. Et puis, c'était des filles grunge. C'est-à-dire que c'était une nouvelle génération, elles étaient arrivées en même temps que Nirvana. Et Kurt Cobain les adorait. Et rien ne pouvait rendre Kurt Cobain plus heureux que d'avoir L7 en première partie de Nirvana. C'était vraiment des filles exceptionnelles, hein. C'était des filles qui avaient vraiment pensé, qui savaient qu'elles faisaient quelque chose de rare, d'important, c'était le groupe grunge tout féminin. Il n'y en avait pas d'autres. À l'époque, il y avait très très peu de filles. Il faut savoir que ce métier est déjà très dur pour les bonhommes. Mais alors pour les filles indées, oulala, elles avaient le chic pour écrire des bons morceaux. Elles avaient même écrit un morceau sur leur local de répétition où elles disaient, elles parlaient le monsieur qui avait la clé. Ah, André, la clé. Si vous voyez un jour une affiche marquée L7, précipitez-vous vraiment. Benjamin Biolay, quand je le vois à la télé, je me dis, il a le look, quoi, c'est formidable. Et c'est le beau gosse, et ce qu'il fait, la Grand Prix, c'est un peu un hommage à Teenage Fan Club, hein, un groupe qu'on adorait, qui est un peu resté sur le bas-côté, mais c'est de la vraie musique pour connaisseurs, le Teenage Fan Club. Et Benjamin Biolay, qui se réfère à ça, ben voilà, il est dans la lignée d'une pop anglaise, qui a été défini par The Smiths dans les années 80. Quand les bébés brunes ont fait l'Olympia, il était là, il est venu chanter une chanson avec eux, il s'intéressait aux bébés rockers, il était bien le seul de toute la France à dire que c'était bien les bébés rockers et à supporter, aider et être présent quand ils faisaient des concerts. Et d'ailleurs, Biolay, au départ, il était avec un groupe que les maisons de disques lui ont immédiatement conseillé de détruire pour que lui seul reste. Les maisons de disques n'aiment pas les groupes, parce que les groupes, c'est l'anarchie, les groupes, c'est l'utopie. Quand il faut faire une télévision, ils arrivent à convaincre le chanteur et le guitariste, mais après, vous parlez au batteur, c'est jamais facile. Ça, c'est du tube, c'est indestructible. C'est le genre de morceau, si un groupe irlandais totalement inconnu, des gamins là, du nord de l'Irlande, arrive à faire un morceau assez puissant pour passer sur les radios anglaises en 1973, c'est du très lourd. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. The Boys Are Back in Town, quand on entend ça, on sait que c'est Thin Lizzy. C'est un morceau, je dirais, de vendredi soir. Vous êtes avec vos potes, vous allez au pub, vous dites « je vais prendre deux pintes, c'est ma tournée ». Vous jouez aux fléchettes, vous attendez les filles, vous êtes là, vous poussez des grands cris avec vos copains, vous choquez les pintes. C'est cette ambiance que raconte Thin Lizzy. Alors, c'est peut-être pas toute votre vie, mais ça existe. Et je trouve qu'il le racontait bien. Et puis sur scène, mais c'était exceptionnel. Il y avait deux guitaristes d'exception. Et puis ce leader bassiste, c'est très rare, un leader bassiste, à part Paul McCartney. Phil Lynott de Thin Lizzy, respect éternel. Encore un qui est disparu trop tôt. Encore une victime du cocktail héroïne, cocaïne. Hélas, hélas, hélas. Le serveur central, amour.
Feu Chatterton, ça a de la tenue. Actuellement, en France, c'est le seul groupe qui fonctionne un tout petit peu. Parce que l'époque est plus rock. Je ne sais pas si on vous a prévenu chez JQ, mais les maisons de disques, ils ont tiré le rideau de fer, fini, terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Hein. Aujourd'hui, c'est musique urbaine à tous les étages. Hein. Si vous faites du hip-hop, du rap, c'est le moment. Allez-y, foncez, c'est ouvert. Alors, il y a ce Feu Chatterton qui est là, au milieu, dans une zone de non-espace. Mais bizarrement, le public continue à aimer le rock, lui, le public, et ils aiment Feu Chatterton, et moi je trouve ça très très bien. Ça fait partie de ces quelques groupes comme Arcade Fire, comme... Il y a quelques groupes qui continuent. On a envie de leur dire « Eh oh, c'est fini, c'est terminé », mais ils continuent. Et ils sont là, ils font une jolie pop, et puis ils ont le droit de continuer à travailler quand même. Et surtout, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en festival, ils intéressent beaucoup de gens, ils font des tournées qui sont à peu près complètes. Donc, ok, la vague est passée, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de continuer à faire de la bonne musique, quoi. Voilà, c'est des gens qui aiment bien la guitare en bois, qui font du bon boulot, qui travaillent tranquille dans leur coin, et tout le monde ne peut pas faire les MC5, Kick Out the James, Motherfucker, la barricade et les pavés sur la police. Bah, moi, par contre, ça me laisse un tout petit peu sur le bord de la route, quoi. De tout ça, je dirais... Je préfère L7. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Mandino, c'est pareil, il me disait « Moi, je ne crois plus qu'aux meufs. Il n'y a que les meufs qui peuvent sauver la musique, quoi. Il faut les laisser faire. » Parce que tout ce qu'elles font, c'est admirable. Tout ce qu'elles font, on est touché. Tout ce qu'elles font, on a l'écoute. Je crois que la bande de branlotins qui vient faire son petit morceau, etc. Bon, c'est un peu fini, c'est un peu terminé. Ça fait exactement 60 ans qu'on fait ça. Soit on va réclamer du gore, soit eh ben, on peut écouter les filles. Et il serait temps. Hein, mais toutes les filles, de Carole King à Joni Mitchell, en passant par L7, les Runaways et Suzy Quattro, moi en ce moment, je survis grâce à des hautes doses de rock féminin, féministe, dans ce que j'écoute. Ah, c'est le bijou, hein, les Rolling Stones, Aftermath, c'est 1966. Et c'est le premier album où les Stones ne reprennent pas des chansons de Muddy Waters, d'Otis Redding ou de Bo Diddley. C'est tout composé par Mick et Keith. Et en plus, vous avez Brian Jones, qui est le lutin musicien, qui est là et qui... C'est lui qui fait le tout-doudou-doudou. Un type, il pouvait, vous le mettiez un saxo alto, un marimba, 10 minutes après, il savait en jouer. C'est absolument exceptionnel. Bon, alors après, bien sûr, John Lennon était très énervé. Il disait, les Stones, ils font tout 3 ans après les Beatles. Bah ouais, mais eux, ils sont encore là. Je suis très content d'avoir choisi le groupe qui a tenu 60 années. Puisque l'année prochaine, en 2022, on va fêter les 60 ans d'existence des Rolling Stones avec Mick, Keith, Charlie, toujours là, hein, 3 des membres de la première équipe. Donc les Rolling Stones, ben oui, moi je suis très ému quand on parle des Rolling Stones parce qu'ils ont fait une musique d'une qualité rare et puis ils nous ont bien accompagnés. Et je trouve que les chansons des Stones, on n'en parle pas assez, mais je trouve qu'elles sont très bien écrites, qu'elles sont très méchantes et qu'elles soutiennent le test du temps. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, on parle de ça, hein, voilà. C'est des histoires de vieux. Désolé, c'est des histoires d'anciens, voilà.